Nous y sommes. Allons dire à Mamita où nous allons. Bonjour, Marine. Bonjour, Luther. Bonjour. Bonjour, Mamita. Nous n'aurons pas le temps de te rendre visite aujourd'hui. Nous allons au parc du lagon. Amusez-vous bien. Et soyez prudents. Merci, Mamita. Au revoir. Attends-moi, Marine! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiros pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je me gratte le dos, et on se retrouve aujourd'hui pour Marine Mali 5, hein. Oui évidemment pour les jeux de mon enfance, blablabla, la suite, les jeunes Mungus Entertainment et d'autres à venir, hein, des Adibou, des tas de bonnes choses, etc. Et là c'est Marine Mali 5, le mystère du monstre, du lagon, du monstre communiste, du lagon qui est sorti en 2001, j'avais 6 ans, l'âge de ma première fois, et du coup voilà, ça va être bien, ça va être formidable, petit pote et clic, vous connaissez, toi-même tu sais, MDR, lol, on laisse un pouce bleu, on commente, on s'abonne, ça fait plaisir. Allez hop, on y va, on clique partout, je clique, moi je clique, j'aime. Vers le parc du lagon. Le parc du lagon. Oh c'est quoi? Ok. Vers le parc du lagon. Ok, et eh ben j'y vais, allons-y, en pleine forme, en bonne humeur. Oh là là, il y a une manifestation, c'est quoi, c'est les gilets jaunes? Ils sont contre l'élection de Macron, c'est quoi ça? Ah merde, non, non, ne reviens pas en arrière. Arrêtez, arrêtez ça. Faut que j'arrête de faire échappe pour passer les animations parce que il risque d'y avoir des cinématiques un petit peu comme le précédent. Écran solaire, baleine bleue. Ah, pourquoi pas. Merci à Poséidon pour Planctos. Très bien, allons-y. Allons voir cette foule en colère, en délire. Nous n'allons pas laisser un monstre marin envahir le parc du lagon. Il faut chasser ce monstre. Oh, cette voix. Je suis d'accord. Chassons ce monstre. Excusez-moi. Je suis Marine Malice, et voilà mon copain Luther. Que se passe-t-il? Je suis Marty Sardini. C'est moi qui ai fait de ce parc un superbe site touristique. Mais le maire l'a fermé car on y a vu un monstre marin. Et nous n'allons pas laisser ce monstre gâcher notre plaisir. Il a raison. Attendez. Est-ce que quelqu'un a vu ce monstre? Moi je l'ai vu, et il m'a fait une peur bleue. À moi aussi. Il y a quelque chose qui pêche. La pêche? Quelle horreur! Mais non, Luther. Je veux dire que cette affaire semble bizarre. Une foule en colère ne peut rien arranger. Ça, c'est bien vrai, ça. Nous allons voir ce que veut ce monstre. Donnez-nous un peu de temps. Elle n'a pas tort, Marty. Laissons-leur une chance. D'accord. Vous avez jusqu'à ce soir. Ah oui, ensuite, d'accord. Ensuite, nous chasserons le monstre hors du parc. D'accord. Marine, je suis pas sûr. C'est quand même un monstre. Oui. Ne t'inquiète pas, Luther. Je suis sûr que le monstre doit avoir une raison pour effrayer tout le monde. La première chose à faire est d'aller au parc du lagon pour chercher des indices. Habile. Bon, ok. Oh là. Ah, bon. Ça... comme ça. Nous allons mener l'enquête dans le parc. Personne n'entre dans le parc. Ordre du maire Marlin. Mais si nous voulons aider, il n'y a pas un moyen de rentrer? La seule solution est de faire signer cette autorisation par Marlin le maire. Ce sera fait. Marlin le maire. Ok. Très bien. J'ai pas trop écouté, mais... Le chemin de la ville. Voilà. Est-ce que Marlin le maire, il était là-bas? Oui, oui, il était là-bas. Ah oui, non, là, il est plus là-bas. D'accord, il a dû rentrer dans la ville. Ok, il faut qu'on aille sans doute à l'hôtel de ville. Allons-y, on peut aller par là. Oui, voilà. Et après, il faudra que j'aille dans le lagon du corail. Ok, ce c'est que ça. C'est assez joli. Après, il faudra que j'aille dans le lagon du corail. On voit quand même la différence hein, entre, en termes de graphisme entre les premiers jeux Mungus, enfin, les premiers jeux Marine Malice et celui-là. Parce que je crois qu'ils ont commencé par Marine Malice, un truc comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est les plus vieux, parce que ça commence en 94. Là c'est où? Là c'est pour revenir là, en arrière. Ok, je peux aller sur les côtés, devant, ou à donc à gauche, à droite. Eh bien écoutez, allons par là. Oh dis donc, c'est nouveau ces effets, la salon de coiffure. On s'en fout un peu, non?
la tortue, elle s'est fait tondue comme à Libération, ça fait plaisir. Ça, c'est quoi? C'est qui ce... C'est Jean-Michel Pau? What the fuck? C'est quoi ce saltimbanque, là? De quoi jouez-vous? Des bonbonnes! Vous êtes doué! Pas autant que je le voudrais. Il me manque encore une bonbonne pour remplacer la bouteille en verre. Si j'avais une autre bonbonne, je n'utiliserais pas cette bouteille. Ok, il va me la falloir. Très bien. Donc, si on trouve une bonbonne, on lui apporte. Et voilà, la pince. Ok. Faut mettre des oursins dedans. Ok, on s'en contrefou. C'est peut-être là qu'on trouvera la bonbonne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Ralph, le cartographe. Enchanté, Ralph. Je suis Marine. Et voilà mon copain, Luther. Et il a rien à me dire. Vous devez vous abîmer les yeux. J'ai perdu mes lunettes dans les flaques, là où il y a les gobies. Comment lisez-vous les cartes? J'utilise cette lentille de microscope. C'est terrible. Si vous retrouviez mes lunettes, je pourrais à nouveau lire les cartes. Nous allons retrouver vos lunettes. Oui, on s'en fout, quoi. Mais très bien. Bon, il faut retrouver les lunettes de cet imbécile. Ici, il faut des oursins. Ici, il faut une bouteille. Il y a écrit quoi, là? C'est écrit Nougat. C'est quoi? Un forgeron? Un tavernier? Bonjour, je suis Marine Malice. Et voilà mon ami Luther. Bonjour, je suis Sucrète. Ah oui, non, c'est un magasin de bonbons, quoi, de nougat. Très bien. Depuis combien de temps faites-vous du nougat? Depuis toujours. Cette boutique était à ma grand-mère. Je suis issue d'une longue lignée de fabricants de nougat. Alors vous imaginez? Ouais, on imagine. Ok. Ok, ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Sortons de là. On aura sans doute besoin d'un nougat à un moment, mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu, hein. On va pas se mentir. Ok, allons là. Écoutez, on continue. C'est pas mal cette vue là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ressemblez à Jean Bobine. Normal, nous sommes jumeaux. Je m'appelle Jeanne. Moi, c'est Marine. Et voilà mon ami Luther. Enchanté. De même. Sympa. Qu'est-ce que t'as à me donner? Combien d'oursins violets pour la colle? Pour toi, un seul oursin. Oh. Ce n'est rien pour cette colle élastique ultra fantastique. Et ils ont toujours des trucs à vendre. Elle est où la mairie là? Il est où Martin là? Ah, le maire, il est là. Qu'est-ce qu'il fout? Bonjour. Je suis Marine. Et voilà Luther. Nous aimerions parler au maire si possible. Moi, c'est Marco. Le maire sera tout à vous dès que j'aurai fini ses soins. Il me manque juste mon démêle nageoire numéro 7. Oh, petit lettre. Il doit être dans mon salon. J'oublie tout en ce moment. Je vais le chercher. Nous allons le chercher, si vous voulez. Avec plaisir. Courez vite jusqu'à mon salon de coiffure. Le démêle nageoire doit y être. Ok, c'est pas évident que ça soit salon de coiffure, étant donné que Accrochez les clés au crochet lorsque vous aurez trouvé le démêle nageoire. D'accord. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ok. Qu'est-ce qu'il foutait avec les clés là-dedans? Pourquoi? Attends, il est coiffeur, mais il lui fait un truc sur la truffe, là. C'est très étrange. Bon, écoutez, salon de coiffure, ok, on y va. Il faut une clé carrée. Ouais, on a compris. Mais la bonne clé, attention, un jeu d'enfant. Quelle clé dois-je essayer? La carrée. Cette clé? Pourquoi il a autant de clés? C'est étrange, tant de questions qui n'auront jamais de réponse, comme comment on fait les enfants. C'est ouvert. Youpi! Oui, allons-y. Démêle nageoire numéro 7. Et voilà, les clés sont sur le crochet. Comme ça, Marco les retrouvera facilement. Et j'ai déjà trouvé les démêles nageoires. Oui, c'est en même temps, c'était... En même temps, Luther, faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir ce que c'est. Hein. Vas-y, le 7. Bien, ça. Voilà. Fous-le-toi là où je pense. Ça doit être le démêle nageoire dont Marco a besoin pour le maire. Mm-hmm. Nous le saurons bientôt. Oui, bah, en même temps, pas très compliqué, hein. Ça vous apprend à lire, ce jeu, hein. C'est formidable. C'était où? C'était là? Oui. Allons-y. Bonjour, monsieur. Voilà votre démêle nageoire, Marco.
Ouh, quelle efficacité! Vous pouvez finir les soins du maire maintenant. Mais bien sûr. Allez au boulot. Oh le beau gosse quand même hein. Très BG le maire. What, c'est tout? Ok. L'escroquerie. Et voilà, à demain monsieur le maire. Splendide, vraiment. Tous les jours. Très bien, vous pouvez signer ça, monsieur. Monsieur le maire, nous avons une autorisation à vous faire signer. Elle nous permettra de rentrer dans le parc du lagon de corail pour résoudre le mystère de ce terrifiant monstre marin. Ah, oui. Il y a bien un monstre marin qui terrorise les citoyens du lagon de corail, n'est-ce pas? Oui. N'importe quoi. Merci, monsieur le maire. Maintenant, l'agent Julie nous laissera entrer dans le parc. Il est dégueulasse, le maire, mais bon. Ok. Bonne chance à vous deux. Les citoyens du lagon de corail sont heureux de pouvoir compter sur vous. Waouh ! Quel beau gosse. Ok. Bon. Pour avancer, passer à autre chose. J'espère qu'il sera assez court, ce Marine Malice. On en a assez des jeux qui durent une heure. Bon, les oursins, j'ai peau. Il y a quoi là-bas? Si c'est que ça. Bonjour, il y a quelqu'un ici? C'est Marine Malice et Luther. Salut les copains, moi c'est Nick. Je voulais réparer cette enseigne. Salut! C'est à nous qu'il parle? Oui, oui. Tout allait bien. Puis la vis dont j'avais besoin pour mon enseigne est tombée dans cette anémone venimeuse. Aïe, comment allez-vous faire? Aucune idée, je suis coincé. Vous pouvez m'aider? C'est une blague, plutôt deux fois qu'une. Luther veut dire que nous serions ravis de vous aider à remonter votre enseigne. Si vous pouviez aussi trouver une clé anglaise. Pour l'accrocher, il vous faut cette vis. Et une clé anglaise. Nous sommes là pour aider. Bon, tu peux la récupérer du coup? Je ne peux pas toucher l'anémone venimeuse. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est immense, c'est immense. Ok. C'est ce qu'il veut lui. Excusez-moi, je suis Marine Malice. Et voilà mon ami, Luther. Bonjour. Bonjour, moi je suis Baptiste, le modéliste. Je peux récupérer la clé ou c'est trop demandé? À quoi ça vous sert? La clé anglaise? Je vais l'utiliser pour démonter ce bateau. Je n'ai pas de bouteille assez grande pour lui. Ça doit vous faire mal au cœur. C'est terrible. Si j'avais une bouteille assez grande, je n'aurais pas besoin de cette clé anglaise. On peut peut-être vous en trouver une. Ce serait formidable. Ok, donc c'est lui, il faut lui passer la bouteille. La bouteille, il lui faut un bidon. Ok, bon, bah ça me semble clair. Je ne sais pas comment récupérer la vis. Lui, il a l'air drogué. J'ai hâte de voir votre boutique. Impossible de passer, Marine. L'enseigne bloque l'accès. Oui, mais c'est impossible tant que l'enseigne n'est pas à sa place. Nous devons récupérer la vis dans l'anémone venimeuse. N'oubliez pas la clé anglaise. Oh, cette voix d'acteur porno, là, j'adore, des années 80, là. Très bien. Bon, bah, écoutez, là, on n'est pas allé voir ce que c'était. Oh, c'est quoi ? Salut, moi, c'est Rollo. Qui êtes-vous? Enchanté, Rollo. Je suis Marine Malice. Il est au bout du Rollo. Et voilà mon copain Luther. Ravi de vous rencontrer. Je peux prendre ça? À quoi sert ce drôle d'appareil? Ce drôle d'appareil vous permet d'atteindre tous les objets qui se trouvent dans des endroits incommodes. Ok, ça me va. Incommodes? Oui, des endroits dangereux, trop chauds. Qui sentent mauvais. Ah. Moi, je connais plein d'endroits où je pourrais l'utiliser. Démonstration. Il est dégueulasse, Luther. Waouh ! C'est vraiment génial !
Et pour seulement 3 oursins violets. Ouais, bon, il va falloir 1 milliard d'oursins, là. On n'est pas prêt de les avoir. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Excusez-moi, je suis Marine Malice. Et voilà mon meilleur ami, Luther. Qui êtes-vous ? Je suis Jaco la Collecte. Je travaille dans l'échange de cartes. Ravi de vous rencontrer, Jaco. Et il veut quoi ? Que faites-vous de vos loisirs ? Je n'ai pas de loisirs. Les échanges de cartes occupent tout mon temps. Et comment ? Et il faut faire quoi ? Vous avez beaucoup de cartes de collection. Oui, mais il est interdit de les toucher, à moins que vous n'ayez une carte à échanger. Ouais, je comprends. Quand vous aurez une carte à échanger, dites-moi laquelle vous intéresse et nous pourrons faire l'échange. Je vois. Oui, bon, bah très... Oh, ça continue, mais c'est immense. Oh, un oursin. Ok. C'est un ours. Vas-y, une carte. Prends-la, prends-la. Où en êtes-vous avec ce toit que vous voulez offrir à un père de famille honnête et travailleur? Ne vous inquiétez pas, nous y arriverons. Très bien. Remettez cette carte à sa place. J'en aurai besoin jusqu'à ce que j'ai un cône orange. Un cône orange? Ah ouais, d'accord. Ok. Oh, mais il y a trop de choses. Un oursin, vas-y. Là. Ouah, je ne peux pas sauter. Vas-y. Vas-y. Voilà. Vas-y. Là. Regarde, il y a un oursin. Oui, bah je saute. Je ne peux toujours pas atteindre l'oursin. Voilà, prends-le. Voilà, maintenant reviens. C'est bon, on a un oursin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je passe un peu en accéléré parce que c'est lent, c'est lent, c'est lent. Oh non, pas l'imbécile. Enfin, bonjour le... Hugo. Voilà. Salut Marine. Salut Luther. Salut. Quoi de neuf ? Toujours la même chose. J'analyse des échantillons de nourriture, mais j'ai perdu la lentille de mon microscope. Tu dois avoir du mal. Je ne peux presque rien faire. On peut peut-être te chercher une lentille. Ce serait génial. Je pourrais continuer à étudier cette nourriture. Une lentille. Ah ouais, mais la lentille, c'est... On l'a vu, la lentille. Ok. Ah oui, non, pour ça, il faut les lunettes. Très bien, c'est ça, les lunettes de l'autre chouette, là. Ok, bon, bah très bien. Et là-dedans, il y a quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, la grosse dame? Bonjour, je suis Marine Malice. Et voilà mon meilleur ami, Luther. Moi, c'est Marilou. Marilou, garde à vous. Et alors? Ce livre de manœuvre a l'air intéressant. Il l'est. J'utilise ces manœuvres pour entraîner les tétras. Comment ça? J'ai perdu ma médaille, alors j'ai du mal à me faire obéir par les tétras. Ce livre me donne de l'autorité. Si nous vous rapportons votre médaille, vous n'aurez plus besoin du livre. Ah! Non, avec ma médaille, ce livre de manœuvres est inutile. Bah quoi, ça sert à rien? Bon, très bien. Bon, on se casse, on se casse, on se casse. Ça fait déjà 20 minutes, on a trop tardé, on a plein de choses à faire. On va pouvoir déjà aller dans le lagon du corail. Voilà l'autorisation signée par Marlin le maire. Ça alors, épatant. Ouais, je sais, je sais. Allez-y, mais surtout n'oubliez pas. Ce monstre est énorme. T'inquiète. Et terrifiant. Ça me rappellera quand je suis sous la douche. Ok, on y va. On y va, Marine? Oui, oui, oui. On y va, Luther. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Brr, quelle horrible odeur! Regarde la taille des dents qui ont mordu dedans. Elles sont assez grandes pour appartenir à un monstre. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Le monstre marin a dû laisser tomber un bout de son repas. Oui. Prends-le. Voilà. Nous avançons à grands pas vers le monstre marin. Il faudrait que nous fassions analyser cet échantillon. Je suis sûr que c'est... Ok, ouais, à l'autre. Je suis sûr que c'est pas un monstre du un coup. Un autre oursin. Vas-y, un oursin. Vas-y, clique. Clicote, clicote. Bon, il y a encore plein de chemins. Beaucoup trop de chemins. Ah, heureusement que j'ai pas fait échappe.
Ces enfants un peu trop curieux vont faire échouer mon plan. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Oh, il y a un cône orange. Ok. Regarde, Luther. Un oursin. Un cône Luther, orange. Regarde, il y a un cône orange dedans. C'est ce que cherche le papa dans la maison sous la carte. Il faudrait lui rapporter. Ouais, bah prends-le. Nous devons prendre ce cône orange. Bah prends-le. Il te faut quoi? On peut rentrer dans l'épave par là, mais la porte est fermée. Oh. Tu es sûr? Oui, il faut trouver une autre entrée. Il peut pas rentrer le petit là, Luther. Bon, ok. Comment, qui a roté là? Des violaces? Vous êtes des violaces? Bon, ok. Il y a rien là? Il y a Podzob? Ouais, il y a Podzob. Ok, c'est pas par là. Très bien! Très bien! Ah! Ok, restez calme. Faut rester calme. C'est important de rester calme. Oh, un oursin! Bon, ça va, il nous régale. C'est par où? On vient d'où? On vient de là. Donc on peut aller. Oh, on dirait un monstre dégueulasse. Oh, très joli, ma foi. Très très joli. Oh, une poterie. Oh, cette bonbonne est cassée. Oh, il faut la colle. Il va nous falloir de la colle pour recoller tous les morceaux. Ok, je fais ça. J'ai tout compris. Vas-y, essayons de récupérer le cône orange. Ah. Ah, la médaille. Ah, il faudrait l'attrape tout, machin. Ok, j'ai compris. Vas-y, on envoie le pâté, là. Là, on est motivé comme Jaja. Non, re-rentre-y. On n'est pas allé là-bas. Bon, colle et attrape machin. Ah, et le manuel aussi. Ok. Colle. Ok, bon. Priorité à la colle. Et à la trappe Nigo, là. Tiens, c'est combien? Ah oui, 1. Je voudrais acheter de la colle. Oh. Je suis là pour ça, jeune fille. Sympa. Je vends la meilleure. Sympa. La colle élastique ultra fantastique. Très fantastique. Et oui. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Une... Très jolie, madame. Très jolie poitrine, madame. Vous me donnez envie, madame. Vous faites naître chez moi des envies irrépressibles et irrémédiables de pulsions sexualo, ma foi, fantastique. Allons là-bas. Non, stop. Allons récupérer le bidule chouette de la magie, du truc machin, chose là. C'est combien? Je suis emballée par cet appareil. Vous pourriez refaire la démonstration? Bien sûr. C'est combien? Allez, un toc toc. J'en voudrais un. Elle coûte 3 oursins. Ok, 1. Voilà. 2. 3. Voilà un autre oursin violet. Parfait. Il a la joie de vivre, on dirait un fonctionnaire français, ça fait plaisir. Un mec à la SNCF, là. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est adorable. Et ben voilà. On est bien comme ça, non? On va pouvoir avancer, faire des tas de choses, vivre des aventures merveilleuses, formidables. Ça va être bien. Ça va être très très bien. C'était par où? C'est par où, Azur? Ah si, ça. Voilà, nous tour de magie. Essayer le bras télescopique. Vas-y. Allez, Marine. Non. C'est de la triche. Le bras télescopique ne va pas assez loin. Il faut trouver un autre moyen d'atteindre la médaille. Quoi? Je pensais peut-être que cette médaille aurait pu venir à nous toute seule. Je crois qu'il en faudra plus que nos personnalités attractives pour l'atteindre. Kessira, comme c'est du charabia. Bon, bah je pensais que c'était ça. Bah écoutez, on va aller se faire foutre. Tiens, on va faire la petite. J'ai la colle, mais je dois aussi remettre les morceaux. T'inquiète, ma belle. Celui-là ne va pas. T'inquiète, ma belle. Voilà. Ça commence à prendre. C'est le bon morceau. Ouais. Tu vas pas parler bien à chaque joué, fois, Marine. Par contre. Non, mais c'est. C'est le bon morceau. Elle m'a saoulé. On se croirait dans Adibou. Et voilà. Bah magnifique ça, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, des grandes lampées de... Carglass répare, Carglass remplace. Mais ça fait plaisir ça, écoutez. Elle est comme... Oui, il faut le dire vite, mais pourquoi pas. Là, il y a quoi? Oh le bordel. Ce gobi doit vraiment s'amuser en sautant de flaque en flaque. Il arrive à traverser toutes les plaques.
Ok. Vas-y. Voilà. Voilà. Bien joué. On a réussi. Ce n'était pas si dur. Oui, non, c'était pour le moins une facile. Une paire de lunettes. Cacahuètes. Cacahuètes. J'ai l'air plus savant, Marine. Non, t'as l'air très savant, mais. Oui, très savant. Rangeons-les pour ne pas les abîmer. Oui. Rangeons-les. Hop. Voilà. C'est plus pratique pour faire de la gymnastique. Peau douce, c'est bien plus pratique pour faire de la gymnastique. Ok, vas-y, on avance. Ferme-la. Tu m'as saoulé, Marine. Les lunettes. Bon, écoutez, on a pas mal avancé, c'est bien ça. Vas-y, on avance, on se dépêche. On n'a pas toute la nuit, on n'a pas toute la vie. On est le 27. Le 27, c'est quasiment mercredi. D'ailleurs, c'est mercredi, c'est formidable ça. Allons là. Lola des champs, Lola des villes. On va là. Non, tenez, monsieur. Jean-Michel Bouteille, hop. Prenez cette bonbonne. Elle complète votre collection. Parfait, on dirait que les bonbonnes sont au complet. Comme le blé. Vous êtes sûr? Cette bonbonne est pour moi? Oui. Ouais. Bien sûr. Oh. Un joli paix. Prenez cette bouteille alors. Merci beaucoup. Merci. Adorable. C'est un beau concerto, écoutez. Alors, là, on s'en fiche and chips. On va garder l'oursin, parce que je sais pas s'il me servira. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste pour un mini-jeu. Tiens, lunetteux, la tortue là. Il me fait penser au cartographe dans Hollow Knight. Voilà vos lunettes. C'est chouette, mes lunettes. J'aurais quand même pu aller les trouver tout seul, hein. Je vois. Ça y est, je vois. Merci. C'est quoi la récompense? Ah bah la lentille. Ok. Peut-on prendre la lentille du microscope? Oui, emportez-moi cette chose hors de ma vue. Hors de ma précieuse vue. C'est drôle, ça. Et il me sert à rien d'autre. Merci à vous. Il a une de ses coupes, on dirait un peu Einstein. Vous un mélange êtes entre. Un cartographe professionnel? Einstein oui, et moi. C'est ça. Vous devez avoir un sacré sens de l'orientation, non? Oui. Ouais, il est gêné. Ça se voit qu'il est gêné, ça se voit que c'est un emploi fictif quand même. Bon, la pince, là, j'en pince pour toi. On s'en fiche, non? On s'en fout royalement. Lui, c'est fait. Nougat, pour l'instant, on s'en coltine le coquillard. Salon de coiffure. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est réglé. Là, il y a rien du tout. Rien. Et là, il y a quoi, là? La grosse. Pas content. Tiens! J'espère ta clé. Que cette bonbonne est assez grande. Oh, splendide. On va l'essayer, d'accord? C'est pas mal, ça. Attention! Qu'est-ce que c'est? C'est impossible, monsieur. C'est un cadeau extraordinaire. Vous m'avez évité de démonter mon œuvre. Sympa. On peut prendre la clé? La clé anglaise vous sert encore? Emportez cet outil destructeur hors de ma vue. Oh, mon œuvre est maintenant en lieu sûr. Son œuvre. Nous en prendrons soin. Faut le dire vite, son œuvre, quoi. Bon, bah très bien, ça. Écoutez, on avance. Hein. C'est pas Guernica, mais ça avance. Hein. Toi, est-ce qu'avec la trappe toutou, là, je peux l'attraper? Je pense que oui. Oh, c'est du porno, ça. J'ai la vis. Ce bras télescopique est une grande invention. Forcément, il va l'avaler. Et hop, voilà comment on peut avoir ce qu'on veut sans prendre de risques. Oh non. De toute façon, on ne devrait plus en avoir besoin. Qu'est-ce t'en sais? T'as fait tout l'océan? Bon allez, donne-lui là. Et donne-lui la clé aussi. Nous y sommes presque. Il me faut juste quelque chose pour serrer la vis. Une clé anglaise, tiens. Si c'était si simple que ça. Elle est quand même bien sympa, cette Marine Malice. Hein. Bien sympa. Et voilà! Vous êtes libre
chronique. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Nous pouvons rentrer dans votre boutique. Le magasin rouvre ses portes. Il nous ouvre quoi là? Il nous offre quoi? Oh, un aimant. Un aimant? Ça peut servir. Bien combien sûr. Ça coûte? Gratos, on t'a sauvé. C'est gratuit. Voilà. Je vous l'offre pour m'avoir aidé à fixer mon enseigne. Quelle affaire! Les objets, t'as sur les jouets. C'est la meilleure boutique. C'est comme dans les animés, comme dans les Miyazaki, les Ghibli, des trucs comme ça. Dès qu'il y a un truc où il va se passer quelque chose, c'est mis en surbrillance, tu vois. Bon, très bien. Il y a des yeux partout, c'est très flippant, mais écoute, pourquoi pas. C'est vous qui décorez ces coquillages? Non, mais ils m'inspirent des poèmes. Waouh! Vous nous en réciteriez un? Pour ça, il faut venir à la soirée poésie. Ouais. What the fuck? Ok, bon, on avance. La bouffe. On pourrait aller voir l'autre glandu là, c'est où? Lui, c'est fait. Qu'est-ce qu'il veut lui? Carte à collectionner. On s'en tamponne. Il est où le Minus là? Oh, je sais plus. Je crois que je... Non. Le Minus, il est où? Là, ça, c'est bien bon. Je crois que ça ne va servir à rien. Quoi? Il y a une médaille là-bas. Mais c'est vrai. Voilà, très bien. Comme par hasard, on perd les objets. Hein. C'est toujours comme ça. Genre, là, il y a quoi? Regarde. Ah oui, non, on s'en fiche. Là, on avance, on passe par là. On fait pas échappe au cas où s'il y a une cinématrique. Non, c'est bon, y a rien. Oursin, machin. Le manuel ici. Ok. Il faudra le manuel. Là, rien du tout. Bon. La médaille. J'ai oublié où c'était. Pourtant, y a pas non plus 10 000. Ah, par là. Ah oui, la carte, si on trouve un cône. Ok. Toi, de la bouffe. Je vois pas à quoi ça Peux-tu sert. Peux-tu regarder cet échantillon de nourriture que nous avons trouvé dans le parc? Intéressant. De la nourriture pour monstres marins. Mais je ne peux pas le garantir sans ma lentille de microscope. Hé, hey, mais je crois que nous l'avons. Mais oui. Super. Comme ça, je pourrai analyser cette nourriture et vous dire exactement d'où elle vient. Bah tiens, prends-la, pourquoi tu lui donnes pas directement? Et c'est cette lentille, Hugo. Ça fonctionne. Je peux à nouveau m'en servir. Merci à tous les deux. C'est un plaisir. Et? Peux-tu regarder ce bout de nourriture? Nous l'avons trouvé au parc du lagon. Ça servira à quoi? Cette nourriture est unique. C'est un fromage de mer qu'on ne trouve que dans les grottes de Tétra. Et c'est le repas préféré... des monstres marins. Qu'est-ce que t'en sais? Bingo! C'est bien ce que je pensais. Oh, mais j'y pense. Regarde cette clé que j'ai trouvée. Elle porte des traces de la même substance. Tiens, prends-la. Elle te sera peut-être utile. Merci, Hugo. Luther, il faut aller chercher des indices dans la grotte des Tétras. Tétra. Ok, allons-y. Est-ce qu'on va voir une cinématique? Oh là là, il est aisé que ça. Vas-y, sors de là. C'est effrayant. On n'a pas le cône, mais l'envie est là. Ça, c'était pour un oursin. On sent Balestec Royal. Elle est où là? Ah, elle est là. Tenez, madame. Voilà votre médaille. Mais oui, c'est ma médaille.
Repos ! Elle va, mais alors, parfaitement bien sur votre uniforme. C'est normal. Merci à vous deux. On peut prendre le manuel ? Vous avez encore besoin du livre ? Non, il est à vous. Merci. Pas mal. Bon, c'est quoi ça ? Oh non, c'est un mini-jeu. Non. C'est la mère en folie. J'adore. Non, non, la mère en folie, on n'en veut pas. Ok. Là-bas, on peut pas passer ? Ah non, il y a un singe poisson. On aura tout vu. On aura tout vu. Écoute, barrons-nous de là. Le cône. Il nous faut le cône. Il nous faudra le cône. Ok. Parfait, parfait. Continuons. On approche. On approche de la vérité. La vérité. De toute façon, là, on a tout fait, non? Je sais pas. Non, on n'a pas fait le cône. Vas-y. Ils savent lire? Œil d'insecte. Lait caillé. What the fuck? Mambo du requin. Fromage. Fromage trophée. On m'a dit que le fromage trophée. On m'a dit que le fromage trophée. Sentait vraiment très mauvais. Sentait vraiment très mauvais. Fromage. Fromage. Trophée. Trophée. What the fuck? Ce n'est pas la bonne figure. Il bloque toujours la porte. Il y en a plein d'autres à essayer. Recommençons. Ah ouais, ok, j'avais pas compris. Mais très bien. Vas-y, le rond. Non, non, c'était Vision. Bien. Voilà, le rond. Fromage Non. Vision. Le rond. Fromage trophée. Ils font déjà cette figure. Bah oui. Je comprends rien ce qu'il faut faire. Ces tétras sont en effervescence. Ils sont absorbés par leurs manœuvres. Il faut trouver un moyen de les écarter de l'entrée. Oui. J'ai pas tout compris. Fromage trophée. Vision. Mauvaise haleine. Bah mauvaise haleine, ça me laisse de la place, mauvaise non ? Mauvaise haleine. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Ouais, bon, très bien. Voilà. Non, au bout d'un moment, ça va, la chanson. Non, mais sois pas conne, t'as une clé. Oui, c'était la bonne clé. C'est gagné. Ok, allons-y. C'est drôlement sombre ici. Ah mince. Oh, c'est sinistre. On sort ? Pas si vite. Il faudrait éclairer la grotte avec quelque chose pour pouvoir l'explorer. Ah oui. Une torche ? Il fait vraiment noir. Non, bon, là j'ai pas... Comment ? Qui peut éclairer ? Qui que quoi, dont où ? Qui que quoi, dont où ? Alors, on va... Là, il n'y a pas de torche. 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 Là, il faut que j'ouvre la porte. On va aller, vous savez quoi ? La machine à kebab, là. Enfin, la machine, la pince. En bas, il n'y a rien. Coiffeur, à mon avis, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Nougat, on s'en fiche. Tiens. On a récupéré quoi ? Je crois que ça ne va servir à rien. C'est quoi ? Ah ok, bon. On a récupéré un truc, une sorte de câble. Ah, voilà ! Impeccable ! Luther, essaie d'ouvrir la porte pour que je puisse rentrer. Parfait, ça. Parti, Marine. Ok. Ah, on joue Luther, là. Oh, le cône, il nous le faut. Donc, la combinaison. Ce cône de signalisation est trop... On s'en fout, on se dépêche. Jaune, bleu, vas-y. C'est ce qu'il me dit, lui. Ce code doit forcément servir à quelque chose. Oui, à faire ça. Vas-y. Ce levier... Non, essaye de te mettre... Voilà. Va régler la couleur. Attends, on avait dit quoi ? Jaune au centre, ok. Non, jaune au centre, bleu... Rouge, voilà, jaune au centre, bleu, rouge. C'est bon.
Je vais réessayer. Là, c'est Bruno, là. Voilà. Et la porte se pète la gueule, c'est tout ce qu'il nous fallait. On pourra avoir le cône. On avance. Tu as réussi, Luther. Eh bah, récupère le cône. La liste dit que le monstre a commandé 20 cônes de signalisation. Parfait. On va pouvoir aller chercher la carte, savoir l'adresse. Et là, c'est bien. On n'aura pas eu de cinématique trop avec le... Non, bon dis donc, non, d'habitude on a des cinématiques dès qu'on avance, là pas trop. Peut-être qu'on les a déjà toutes passées, je ne sais pas, écoutez, on avance. On avance, le vendeur de cartes. Alors, hop, on échange. Et on voit ce que ça donne. Et à mon avis, c'est pas fini. Ce cône ressemble à celui de votre magazine, non? Oh, la voix. Votre maison sera certainement mieux protégée avec ce cône, monsieur. Des intempéries? Ah, ça oui! Qu'est-ce que vous attendez pour prendre cette vieille carte de collection? Merci. Parfait. La carte de collection, j'ai oublié c'était, je me demande si c'était pas juste là. Ah, parfait. Hop, tiens mon gars. On peut échanger. J'ai échangé cette carte contre celle avec le joueur de bowling. Le joueur de bowling? Voyons voir. La voilà. Ah, merci, Box. Merci, c'est gentil. Ce fut un réel plaisir. Un régal pour les yeux, un régal pour le fion. Ok, il y a écrit quoi derrière? Hop, on accélère, ça fait beaucoup trop de temps. Hop, bonjour madame, au revoir madame, tenez madame. Avec plaisir madame. Ce ne serait pas votre carte de collection? Mais oui, c'est la mienne. Et le mot de passe est toujours dessus. N-O-U. Nounours. Nougat. Ah oui, d'accord. Nul à chier. Nougat me rend gaga. Merci. Elle aurait pu s'en souvenir sans ça, hein. Et quelle est l'adresse, s'il vous plaît? S'il vous plaît, l'adresse? Pourrions-nous voir l'adresse où ont été livrés les 25 kilos de nougat? Où qu'elle est? Où qu'elle est? Où qu'elle est l'adresse? Ah, le trou. Ça doit être là qu'habite le monstre marin. Allons-y. Vous savez où c'est? Il faut pas la carte? Ah bon, il faut réagir. C'est rare, rien le cartographe. Reprenez ce qui est à vous, ce qui est à nous. Oui, allons-y. Sortons le monstre marin de sa tanière. Le parc du lagon redeviendra un endroit sûr pour tous les citoyens. Jean-Marie Le Pen en poisson. Chassons le monstre. Nous sommes prêts, Marty. Regarde la taille de cette crevasse. Tu es prêt, Luther? Oh là là. Même pas à peur, Marine. Il est pas méchant. Si? Le trou de l'infini. J'aime les trous. Il ressemble à quoi? Ouh là là. Putain. Droit dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Ah oui, si, c'est quand même un gros machin. Ouf! Ah oui, il est immonde! Un peu effrayant. C'est seulement Marine Malice et Luther. Elle est courageuse. Elle a des couilles au cul, comme on dit. Oh, vous êtes les fameux détectives, n'est-ce pas? Quoi? Vous avez trouvé ma nouvelle maison. Depuis quand on est détective? Comment ça, votre nouvelle maison? Un promoteur sans scrupules m'a expulsé de ma demeure, le lagon de corail. Il se l'est approprié et on a fait une attraction touristique. Vous voulez parler de Marty? Pourquoi Marty a-t-il fait salaud. Ça si le lagon vous appartient? Marty n'est pas honnête. J'ai un acte de propriété pour ce lagon, mais ça ne l'a pas arrêté. Foutaise. Enfin, t'es assez gros pour lui mettre la pression, quoi. Pas. Xamphir, montrez-nous l'acte. Si vous l'avez, Marty va avoir de sérieux ennuis. Il est juste là. Il l'avait rangé où? Mais il y était! On m'a volé l'acte! L'acte a disparu? Et Marty aussi? Oh le salaud! La situation ne fait qu'empirer! Oh!
Nous allons récupérer votre acte. Il faut réparer une telle injustice. Allons-y, Luther. Oui, mais t'as pété. Où habite Marty? Ah bon? Ah, on sait pas où il habite. Ah, il y va automatiquement. Voilà chez Marty. On dirait une vraie forteresse. Restons calmes. Si nous réussissons à rentrer, nous trouverons l'acte de Xamphir. Parfait. Tiens, coin-coin. Coin-coin, requin. Ah, ce canard est tout visqueux. C'est un jouet pour chien, Marine. Oui, sans doute. On a bien compris, je vais quand oui. même le prendre. Mais balance-lui dans la tronche. Tiens, regarde. Viens faire coin-coin, là. Je crois que ça ne va servir à rien. Petit. Oh, petit. Il est mignon. Oh, le beau canard. Il est mignon. Il l'adore. Sympa. Maintenant, nous pouvons passer. Sympa. Si tu le dis. C'est quand même con, un chien. J'adore les chiens, mais... Oh. Un piège. J'espère que nous ne sommes pas coincés. Ah, génial. Alors, il y a peut-être des pièges partout. Il faut trouver un moyen de sortir. Je me rappelle de ça. Mais je crois que j'avais fait la vidéo il y a genre sur ma précédente chaîne, il y a genre un 7 ans. Ça peut servir. Ça peut servir. Est-ce qu'on peut passer? Chut. Regarde. On peut voir dans l'autre pièce. Merci McFly. Acte. Personne ne trouvera l'acte de Grumpy. C'est bien, un méchant, il part tout seul. Que je l'ai mis dans mon coffre secret et la combinaison est bien cachée dans ce folio. Il a tout dit à voix haute. Pas mal. Nous devons aller chercher la combinaison dans ce faux livre. Comme ça, nous pourrons rendre l'acte à Xamphir, hein, Marine? Exactement. Le mystère du lagon sera levé une bonne fois. Ah, bien. Ok, donc il reste encore des choses, il reste encore du gameplay, c'est terrible. Ce système verrouille la bibliothèque. Nous devons l'ouvrir pour pouvoir récupérer l'acte de Xamphir dans l'autre pièce. Oui, bah faites-le. Marty est vraiment malin. Au boulot, là. Regarde cette petite fenêtre. Peut-être qu'on peut sortir par là. Je te suis, Marine. J'ai faim dans la vraie vie. Oh, bah dis donc. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La liberté. Pas si vite. Il faut y retourner et trouver l'acte. On dirait un contrepoids. Regarde, il doit être relié à la pièce piégée de Marty. Ah, on va assembler ça. Tu n'en as pas besoin maintenant. Ah non, d'accord, on met ça directement dedans et comme ça, ça va ouvrir la porte. Ok, j'ai compris. C'est bon. Il rentre bien, mais il ne pèse pas bien lourd. C'est une sorte de poids. Je vais garder pour l'instant. Bah oui, dans le fond, là. Voilà, pour conclure. Voilà. Celui-ci ne rentre pas bien. Oui, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ah, non, là. Ah, ok. Merde, c'est lequel? C'était lui. Ah oui, et là on conclut avec ça, d'accord, on reforme le cône, là, le triangle, triangle des Bermudas, on le fout là, et là, bim, parfait, c'est bien, c'est très bien. Ça fonctionne. Ouais, allez, on s'en fout, on y va. Ah, c'est fermé, ok, et on y va. Parfait ça, le talent. Il nous faut ce faux livre qui contient la combinaison, mais la bibliothèque est dans le mauvais sens. C'est très lourd, une bibliothèque. Comment pourrait-on accéder à l'autre côté? Oh, je ne sais pas. En y retournant? Éteins la lumière, allume ton destin. C'est que cette merde... Le lustre est devenu rouge. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Quand nous aurons la combinaison... La position de ce vase doit être importante. En attendant de le savoir, je le garde. Très bien. Montons. Montons ménestrel à l'étage. Oh, une lumière. Une bougie. Une bougie dans l'anus, peut-être. Ouvre la porte. Ok.
Lord Marty a l'air de beaucoup s'aimer. Oui, ça a l'air d'être le roi des cons. Tu peux monter plus haut? Non. Redescends. Non, c'était bien, je voulais tomber. J'aurais voulu tomber. Vas-y, tu veux pas tomber, là? Bon. Ça me semble bien étonnant, là. Bougie, là. Tu veux plus y aller? Ok, elle veut plus y aller. Bah, écoutez... Voilà, non, il veut plus que je tombe. Comme ça? Ah mais oui, par là. Ok. Prends le bouquin. Le bouquin! C'est le faux livre. Avec la combinaison, nous pouvons ouvrir le coffre de Marty pour récupérer l'acte de Xamphir. 4, 9, lumière jaune. Ok. Ok, j'ai tout. Voilà. Ensuite. Nous devons ouvrir le coffre avec la... Ça. Là. Magnifique. Ensuite. Nous devons ouvrir le coffre. 8, 4, 9. Ok. Là, ici. Là. Voilà. Il faut trouver la combinaison pour pouvoir ouvrir ce coffre. Oui, on l'a, la combinaison. Je dois rentrer où, le code? Nous pourrons ouvrir avec la combinaison. Nous pouvons ouvrir le coffre de Marty pour récupérer... Oui. Ça représente un clavier. Ça représente un clavier. Ah. Là. Ah, j'ai une clé. Ok, c'est que j'ai passé la cinématrique. Ok. La clé. La clé ne fait pas le moine, comme on dit dans le jargon. Regarde. 8, 4, 9. Compact. 8, 4, 9. Et là. C'est compliqué pour un code, hein. Pour un seul coffre. C'est bon, on a gagné, on est trop fort, on est numéro 1. On va pouvoir le virer, Marty. On va y mettre le GIGN au cul. Au cul! Voici l'acte. Il est écrit que le parc du lagon de Corail appartient à Xamphir du fond de la mer. C'est bien ce que Xamphir disait. Sécurité! Sécurité! Il y a des intrus dans la forteresse! Il y a des intrus dans la forteresse! C'est la loi martiale! C'est l'anarchie! Sécurité! Comment êtes-vous entré? Vous êtes en état d'arrestation! Arrêtez tout! Oh, le beau gosse! On m'a dit qu'il y avait un litige concernant le propriétaire légal du parc du lagon. Expliquez-moi. Marty devrait être arrêté pour vol. Cet acte prouve que le parc du lagon appartient à Xamphir. C'est vrai? Habile. Marty, quelque chose à ajouter? Il a l'air pas mal, le maire. Maintenant, je comprends pourquoi Xamphir est devenu si terrifiant. Marty lui a pris sa maison. Salaud. Tout est de la faute de Marty. Cet acte prouve que Xamphir du fond de la mer est le propriétaire du lagon de Corail. Hip hip ouah! Je suis désolé de vous avoir tous effrayés. Je voulais juste arrêter Marty. Grâce à Marine et Luther, il est définitivement... Et jamais on récompense. Jamais on me donne des trucs avec de l'argent. Avec les heures de travaux forcés qu'il devra faire, Marty aura bien le temps de tout remettre en ordre. Allez hop. En tant que propriétaire légal, c'est vous qui allez décider de l'avenir du parc. Que voulez-vous faire? Plus de murs, plus de barrières. Désormais, tout le monde pourra y aller. C'est vraiment le contraire de Donald Trump, ça. Les mijurés de Donald Trump. Bon, bah voilà, écoutez, on a fini Marine Malice. On a gagné, on est numéro 1, on est trop fort. C'est quoi, ancrage et couleur? Ancrage et couleur. Ah, c'est pas mal comme générique. Enfin, c'est chiant, mais... C'est à moi de cliquer, d'accord. Bon, bah voilà, écoutez, on a gagné, on est trop fort, on est numéro 1. C'était bien. Il était très bien, j'aurais fait quelques ellipses, mais il était quand même très très bien. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter, à vous abonner, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, surtout, ça fait plaisir. Et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite, pour notamment les Spy Fox, et puis aussi pour beaucoup de plaisir. Non, pour d'autres vidéos sur la chaîne, il y a plein de vidéos sur la chaîne, mais je suis content de reprendre les Unmongoose Entertainment, parce que c'est quand même un peu toute mon enfance, et c'est du pur
plaisir, et Dieu sait que j'aime le pleasure. J'aime le plaisir. Voilà, sur ce, gros bisous à tous, et à bientôt. Bye bye. Oui, bye bye.